Bonjour tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, saison 2, épisode 4, le podcast d'impro bruxellois dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce serait pas de l'impro. Et j'ai avec moi les merveilleux Hicham El Amouri. C'est moi. Ise Brassel. C'est moi aussi. Et pour son grand retour en tant que deuxième épisode en tant qu'invité, Titi. Oui, c'est moi. Titi est le deuxième épisode, mais le quatrième. Mais aussi l'invité. Oui, c'est moi. Ah, voilà. Ah, je suis un épisode. Non. C'est. Je suis un épisode à moi tout seul. Parce que oui, donc cette année-ci, vous le savez dorénavant, on invite des gens et on les invite pour deux épisodes, selon une espèce de savant mélange de un épisode entre nous, un épisode avec un invité, un épisode entre nous, un épisode avec un invité. Et donc Titi revient oui. Pour la deuxième et a priori dernière fois en tout cas de cette saison. Tu vas toujours bien Titi? Oui, je vais fort bien. Oui, ça t'a plu d'enregistrer ce premier épisode avec nous? C'était merveilleux. Oh, excellent. Eh bien, j'espère que tu prendras autant de plaisir pour ce deuxième épisode. Parce que nous, en tout cas, on a adoré enregistrer. Pourquoi je rigole comme un début premier épisode avec mon micro comme un coup. Oui, Hicham, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que si c'est un épisode, alors je dois le monter. Voilà, et donc, transition. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que Titi n'est pas... n'est pas un épisode. Je retire ce que j'ai dit, je ne suis pas un épisode. C'est le seul élément qui fait que ce n'est pas un épisode. Alors, donc, vous connaissez dorénavant la formule, hein, 3 impros, environ 30 minutes d'émission, plein de fun, plein de bonne humeur dans vos oreilles. Eh bien, je vous propose de commencer sans plus attendre. Avec une première improvisation qui nous est amenée par Hicham. Oui, c'est moi qui fais toutes les premières impros. Vas-y, toutes amène. Oui, c'est vrai. C'est moi. À part quand tu présentes. À part quand je présente, mais... À part quand ce n'est pas toi. À part quand c'est pas moi, ouais. Et donc, cette première impro sera une improvisation effet sonore. Un stage avec Titi il y a 2 semaines, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce qui va se passer, c'est que j'ai préparé quelques effets sonores dont mes comparses ici présents n'ont pas la moindre idée. Et je vais les disperser au gré d'une improvisation. Et ils vont devoir faire avec et les intégrer de manière fluide et totalement naturelle à l'improvisation qu'ils sont en train de jouer. Est-ce que ça veut dire que ces bruitages seront bien faits, contrairement à l'épisode... Ce sont des bruitages pré-enregistrés. Oh. Ils étaient très bien faits à l'épisode précédent. Mais oui. Incroyable. Et on va commencer sans plus tarder. Ça va commencer avec le premier bruitage qui sera votre élément de départ et vous faites avec. Et je dirais que Ise et Titi commencent la scène. Et c'est parti. Je n'arrive pas à trouver la fréquence de la police. Oh Charles, bon sang, la situation devient urgente. Écoute, premièrement, il faut que tu te calmes. Hein, Mathilde, il faut que tu te calmes. Calme-toi, s'il te plaît, bon sang. Ouvre. Il revient. Non, je peux plus laisser entrer ce voisin la dernière fois. Il nous a proposé des poulpes vivants. Il m'insupporte, je peux plus le voir. Mon Dieu, la radio est morte. Tant pis. Écoute, tu sais qu'il répare les radios. On en a besoin. Bonjour voisin. Bonjour. Alors je vous ai amené des éclairs au moule. Je pense que vous allez m'en dire des nouvelles. Charles, c'est ton plat préféré. Je te laisse le plaisir de les manger seuls. On les mangera plus tard. Mais on a un petit problème avec la radio. Ah oui. Oui. Oh bah écoutez, vous avez de la chance. C'est mon métier de réparer les radios. Quelle chance. Ne vous inquiétez pas, il y a un cours de tennis qui est en train de se donner dans la salle à manger, mais venez à la cuisine. Ah oui. Oui, bien sûr. Mais c'est fantastique, c'est mon deuxième métier, donner des cours de tennis. Ah vraiment? Mais oui, mais si vous voulez, parce que... Ah oui, le coup droit est un peu faible, je peux peut-être aller l'aider. Vous savez, ce sont nos enfants Apollin et Myrtille, ils s'en sortent très très bien. Quel nom de merde. Je ne vous permets pas. Excusez-moi, mais appeler ses enfants Apollin et Myrtille, c'est un peu appeler au harcèlement scolaire. Hein. Je vous laisse pas faire, chérie. Faites attention, hein, parce que mon deuxième métier, c'est harceleur scolaire. Ouais. Ah bon?
Ah ouais. Vous continuez. Pourquoi vous avez... Vous croyez que ce tournevis... Ce tournevis... Oui, c'est un tournevis. Oui. J'ai aiguisé avec un couteau, il faut pas confondre. Vous croyez qu'il ne me sert qu'à réparer les radios? Écoutez, réparez cette radio. Tenez. Oh. Mais c'est clair aux moules. Vous me les renvoyez comme ça dessus? Oui. Parce que... Je vous demande de réparer cette radio avec vos éclairs aux moules. Ah oui? Eh bien, vous, là, vous allez en manger un. Non. Et vous aussi. Allez-y. Je ne réparerai pas cette radio tant que je ne vous aurai pas vu les manger avec délice. C'est excellent. Cette moule m'a fait un petit bisou. Oui, elle est encore vivante. Je trouve que c'est plus frais comme ça. Je propose d'utiliser mon troisième métier, lanceuse de javelot en cas de problème de gustatif. Voilà. Oh, c'était un très beau lancer. Bon, bah alors je vais réparer votre radio, hein, du coup. Alors attendez. Apollin, ton revers maintenant, s'il te plaît. Apollin. S'il vous plaît. Ça commence à bien faire. Et voilà. Oui, alors je l'ai un petit peu pimpé, maintenant je peux vous faire des photocopies aussi. Et alors bon, ce qui est fantastique, c'est qu'en fait, pendant que vous écoutez une chanson, si vous appuyez sur ce bouton-là, elle vous imprime les paroles de la chanson qui est en train de passer. Et alors, si vous appuyez ici, là il y a des éclairages disco, et puis là... Voilà, il y a de la fumée et tout ça. Enfin, je me suis dit que ce serait sympathique. Et si on est sur le canal de la police, ça quoi sort les... Le canal de la police? C'est... Est-ce que vous voulez passer sur le canal de la police? Attention, il y a toujours le tournevis. Apollin et Myrtille ne sont pas nos filles. Nos enfants, bref. Apollin est une fille? Oui. Mais vous n'avez vraiment pas de cœur. Charles. Voilà. Faites attention aux voisins. Voilà. C'est genre, je sais pas, c'est un gars sous LSD rencontre une cérémoristique française des années 40, quoi. Oui. Ok. Des gens qui parlent des radios. Chérie, j'ai oublié comment se fait que la radio. Oh, mais je vais demander aux voisins. Enfin, voilà. Désolé pour les Apollins et les Myrtilles qui nous écoutent. On adore vos prénoms. Ce n'est pas votre faute. Voilà. Ce sera coupé au montage, donc non, sûrement bien. Pas. Il n'y avait pas trop d'infos. Hein, dans... Non, oui, c'est ça qui est bien. C'était concis, clair et droit au but. Oui, mais oui, embrasser le bordel. C'est ça. Ton échec. Embrasser le bordel. Ça fait un peu Magritte écrit un sitcom, je trouve. Toute proportion gardée, hein, voilà. Allez, bien, donc nous allons arrêter avec les images A de Francis Sou. Et on va passer à l'improvisation que je vais présenter, qui est une question. Alors la question, c'est un grand classique du podcast. Ah, je vois que Iso se trémousse déjà sur la chaise. C'est chouette parce que maintenant, on voit les gens se trémousser sur leur chaise. Avant, on se trémoussait sur notre chaise dans notre coin et personne ne le voyait. C'est un peu triste. Donc dans la question, en fait, vous ne pouvez poser que des questions. Je serai juge un petit peu de ça. Si à un moment, j'entends que vous... Ne posez pas une question, soit que vous attendez trop longtemps, soit que vous dites quelque chose qui n'est pas une question, je ferai... Et vous serez sorti de l'impro, et la troisième personne qui n'est pas encore dans l'impro rentrera pour faire une autre scène dans le même lieu, parce que oui, je vous ai préparé des ambiances sonores de lieu. Et du coup, est-ce que les personnages... le personnage qui reste le même personnage ou... Si tu veux garder le même perso, tu peux en fait... C'est de l'impro, tu sais, tu fais ce que... Mais ouais, c'est mais génial. A priori, on n'a pas d'obligation de rester dans la même scène, c'est juste dans le même lieu. Incroyable. Voilà. Alors, le premier lieu, on va dire que c'est Hicham et Titi qui vont commencer à deux. Votre premier lieu, ce sera un aéroport. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr. Alors, c'est parti. Vous avez votre carte d'embarquement? Je dois avoir ma carte d'embarquement. Est-ce que vous voulez vraiment accéder au reste de l'aéroport? Pourquoi voudrais-je accéder au reste de l'aéroport? Vous n'êtes pas passager? Vous êtes un contrôleur? Ça se voit pas? Non. Vous avez pas vu mon badge? Ah! Bien tenté, Titi. Bien tenté, mais je l'ai entendu. Eh bien, Ize, tu rentres en scène. C'est parti! Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Il y a les toilettes ici? Oh,
Vous ne devez jamais faire pipi? Vous montez pas dans l'avion d'habitude pour faire ça? Non. Désolé, j'ai un petit peu induit le fou rire, je m'en excuse. Attention, mais Hicham Titi, on est reparti. Vous êtes encore là? Vous n'êtes pas parti avec le dernier avion? Je l'ai raté? N'a-t-il pas décollé? C'est pas ça que ça veut dire? Si je l'ai raté, ça veut dire qu'il a décollé, donc c'est pas ça? Vous posez toujours autant de questions? Ça vous regarde? Vous ne me reconnaissez pas? Papa? Piston? Mais où est-ce que t'étais passé toutes ces années? Mais... je ne sais plus quoi te poser comme question. Ouais. Oh. Excellent, excellent. Hicham, il tue tout le game. Ouais. Hicham est le grand vainqueur de cette première partie. On va passer à la deuxième partie. Vous êtes dans un autre lieu. Et maintenant, on va aller un petit peu se ressourcer en forêt. Et oui, on va dire que c'est... mais non, en fait, on va dire que c'est Iseu et Titi. Ah, voilà, c'est pas encore rencontré. Le gagnant et le perdant, c'est ça? Exactement, exactement. Les premiers seront les derniers, Jésus. C'est déjà en finale et c'est la demi-finale. C'est ça, exactement, exactement. C'est un peu la petite finale. Oui. Attention, donc nous sommes en forêt. Nous sommes en forêt. Et ça commence maintenant. Où est-ce que t'as mis la carte? Est-ce qu'il est pas près de l'arbre? Quel arbre? Combien d'arbres il y a ici? À ton avis? J'ai une tête à savoir compter! Bof, bof, bof. J'avoue, sur la fin, il y avait une petite... Mais non. J'ai fait que ça. Allez, Hicham et Titi. Hicham et Titi, on est reparti. Vous avez pas vu mon chien? Vous avez un chien? Plus maintenant. Et voilà, et voilà. Oula. Il a tout donné dans le premier lieu. Attention, Titi, on continue. T'as mis où ma gourde, papa? Tu ne l'as pas avec toi? C'est la rouge, on est d'accord. Tu as plusieurs gourdes? Oh, il a pris son temps, putain. Bah oui, je lui ai laissé une dernière Laisse chance. Laisse planer mon échec, c'est bien. On est reparti. C'est vous le garde forestier? Vous avez pas vu mon uniforme? Vous portez un uniforme? Ça vous dit quelque chose, le camouflage? Où êtes-vous passé? Vous arrivez pas à me trouver, hein? Où êtes-vous? Où est l'ours, surtout? C'est un ours, là, devant moi? Oh, est-ce que je suis un garde forestier? Est-ce que je suis un ours? C'était vous? Ça fait quoi de revoir l'assassin de ses parents? Vous avez tué mes parents! Ah là là là, ça allait devenir horrible. Cool, 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 cool. Eh bien, troisième lieu, on va voyager toujours plus loin. Parce que, ah oui, oui, ce sera entre Hicham et Iseu. Voilà, et attention, vous serez dans le bar d'une navette spatiale. C'est parti. Qu'est-ce que vous prenez? Auriez-vous un peu de gravité? Oh, sur glaçon ou direct on the rock? Que pensez-vous? Que prendrais-je selon vous? Est-ce que vous préfériez pas de la gravité sans vêtements? Est-ce une allusion? C'est pas clair? Vous êtes sérieux là? Je vous plais pas, c'est ça? Vous pensiez vraiment que je voulais autre chose que de la gravité? Pourquoi personne veut pas de moi? Veux de moi? Hein? Et... Vous ne savez pas reconnaître un échec quand vous en voyez? Vous croyez pas que j'ai l'impression de vivre des échecs depuis le jour où je suis né, c'est ça? Qu'est-ce que j'ai foiré dans ma vie? Dites-le moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous ont enseigné vos parents, j'ai envie de dire? C'est leur faute! Excellent!
Très très bien, très très bien. Donc oui, plutôt avec des glaçons ou on the rocks. Moi, c'est personnellement ce que je retiens de cette impro. Est-ce que vous y avez de la grenadine? Oh, est-ce que tu as ta carte d'identité pour avoir de la grenadine? Il faut un certain âge pour boire de la grenadine. Quel âge as-tu? À votre avis, j'ai quel âge? Tu as 7 ans ou 8 ans? Est-ce que vous êtes ma maman? As-tu un jour vu une dame seule à un bar? Eh bien, c'était elle. Je me sacrifie. Vas-y. Allez, une dernière. Titi et Hicham. Une dernière, a priori, Titi et Hicham. Comment ça, capitaine? C'est pas à vous de faire ça? Comment ça, je prends les commandes? Je suis Stewart! Vous ne deviez pas arrêter de boire pendant le service? Oh merde, c'est une affirmation. Fin de l'intro. Bravo, bravo, bravo. C'était... Je suis tellement fatiguée que j'ai pas tiqué tout de suite. J'ai laissé aller comme ça. Je me sentais un petit peu. Bah ouais, c'est bon, c'est bon. L'intonation est bonne. L'intonation est bonne. Quel jeu d'acteur. Pas mal, pas mal, pas mal. C'est cool quand c'est con, va. Je t'ai tout offert. Feignasse. Ouais, ouais, tu m'as fait faire tout le boulot surtout. Putain. Un impro, c'est un cadeau. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai même offert la victoire. Non, non, j'avais très bien vu, J'espère que je vais recevoir un verre de gravité pour ça. On the rocks ou avec des glaçons? Les deux, c'est la même chose. On the rocks. Attends, pardon, je parle même direct que Titi, ça ne va pas. Bien, et bien, sur cette excellente note, nous allons passer à notre dernière improvisation du jour, qui est une improvisation présentée par Ize. Et oui, et pour terminer, ça va? Oui. C'est une improvisation tant aimée par notre bonne amie Titi. C'est une improvisation rimée. C'est bien simple, chaque réplique doivent rimer. Bon, on fait du A, B, A, B, A, B, C, A. Enfin, vous vous arrangez avec la poussière. On utilise les lettres, quoi. Eh ben. Ok. A, B, oh, oh. B. Eh bien, amis de la poésie, êtes-vous prêts? Je vais vous donner un petit mot, mais... Eh messieurs, votre mot sera salade. Êtes-vous prêts? Oui. Salade, c'est parti. Ah, quel beau soleil! Ah, dans le jardin, on va pouvoir faire des merveilles. Mais dans cette salade... Qu'est-ce que je vois, il y a... De l'avocat! Tu as encore mis de l'avocat dans la salade. Est-ce que tu es devenu timbré? Est-ce que tu es malade? Mais non, je pensais que ça vous plairait. Dans mon livre de recettes, il disait... Tu sais bien que Firmin est allergique. Il va perdre ses mains. C'est logique. Mais... Firmin, je suis désolé, j'ai encore oublié. Bah oui, mais bon, ça, maintenant, on est habitué. Hein. J'ai bien compris que je n'étais que la troisième roue du carrosse. Pendant que vous vous éclatez, moi... Oh, c'est bon, il faut bien s'occuper des gosses. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai prévu une quiche, et là, elle est délicieuse. Je m'en fiche. Vous savez quoi? J'ai donné. Je rentre mon tablier. Si vous voulez continuer à faire les malins, vous trouverez un autre jardinier. Mais enfin, reste. Sans toi, ce sera funeste. On va plus du tout s'amuser, et puis, comment on va faire pour bricoler? Évidemment, vous ne serez pas en train de vous amuser. Vous serez trop occupé à occuper la marmaille. Voilà ce qui se passe. Maintenant, j'ai décidé que je m'en aille. Et si on faisait un barbecue? Est-ce que ça te ferait rester, you? Avec un barbecue, c'est délicieux. Est-ce qu'il y aura des spare ribs? Eh bien, whips. Ok, alors je reste. Formidable. Il m'en reste. Ah mon dieu! Et au final,
j'étais encore en train de faire l'arbitre et de compter un peu vos poids. Je vais mettre plus de bâtons dans les roues dans cette improvisation. Non, ouais, bah, non. Alors bon. Titi a fait barbecue tout seul, hein. Oui, oui, oui. Il s'est fait genre barbecue. Ouais. Bah merde. Oui, c'est une impro où, en fait, techniquement, il faut réfléchir et c'est un truc que je n'aime pas faire en impro. Oui, c'est vrai. Mais tu peux moins te lancer, dire. Mais c'est si riche, voir l'illumination dans vos yeux quand vous avez fait eh, « j'ai trouvé ah ». Ouais, c'est pas arrivé souvent chez moi. Bon, j'avoue, Spare Reeves, je l'ai fait vraiment pour pourrir. Oui, 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 j'ai vu. Ça s'est vu, oui, oui. Oh, ça va, j'étais gentil jusqu'à présent. Le quoi. Petit doigt d'honneur derrière le micro, il n'était pour rien. Je vois pas de quoi tu parles. Vulgaire, monsieur, vulgaire. Bien, mais donc on arrive à la fin de ce quatrième épisode de cette deuxième saison de On n'a rien préparé. Eh bien, Titi, merci, merci d'avoir été de la partie. Ben, est-ce que tu peux nous... Merci à vous déjà de m'avoir accueilli. Pas de souci. Eh ben, avec grand plaisir. Ça rime encore. Oui, ça rime encore. Voilà, il reste de traces. Est-ce que tu peux nous rappeler où est-ce que notre public nombreux et varié pourra venir t'applaudir en octobre? En octobre, oui. Le dernier dimanche de septembre, le 27 septembre, si tout va bien, il y aura un catch ta mère à la mer à boire de Flaget. Croise les doigts. Ce sera mon anniversaire. Oh, incroyable. On va noter ça. Le 11 octobre à la mer à boire, mais de Saint-Gilles cette fois, si tout va bien, on va lancer notre nouveau concept de catch qui s'appellera Le Duel. Et puis le 18 octobre, on joue avec Hicham à l'improviste un spectacle pour enfants qui s'appelle Prête-moi ton rêve. Yes. Voilà. Yes. Et ben on croise très très fort les doigts pour que tout ça puisse se faire devant un public nombreux et non masqué. Peu probable. Déjà un public. Voilà. Un public, c'est pas mal, hein, de base. Espérons. Parfait. Et bien merci beaucoup, Titi. Avant de vous laisser, cher public, eh bien, bon anniversaire, Ise Brassel. Ah oui, c'est déjà maintenant? Eh bien, c'était la semaine passée, puisqu'on diffuse cet épisode le 28 septembre. Ah, ouais. Eh bien, bon anniversaire. Je l'ai souhaité hier, d'ailleurs. Voilà. À son catch. Ouais, le catch s'est super bien passé. Il y a eu 15 000 personnes. Ça débordait. Tous avec les distanciations. Remplissait toute la place Flaget et tout ça. J'ai maintenant 26 ans, j'ai plus droit au GoPass. Oui, 26 ans, c'est un peu l'âge qui fait mal. C'est un peu l'âge où on te dit tu deviens adulte. Fuck you. Je trouve. T'inquiète, il y a encore le sexisme pour pas me prendre au sérieux. Eh ben, bonne ambiance ici. Ah, voilà, c'est ça. Donc la bienveillance. Les politiques rattrapent vite. Écoute, très bon anniversaire à toi. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait hier? Elle est venue au catch, évidemment. Oui. Elle s'est bien marrée. J'ai ramené 15 000 millions d'avis. C'était trop bien. Est-ce que c'est un rapport avec l'émission de télé? J'y ai pensé. Oui, c'était tous des animaux de compagnie. Voilà. 15 millions et demi. Donc ça veut dire que les 500 000 autres personnes n'étaient pas des animaux. Mais... Non, c'était ces petits animaux qu'elle fait au crochet. Avec ton dame. Ok, je crois qu'il est temps de couper cette émission. Oui. C'est en train de partir en sucette. Donc, merci Titi. Un dernier mot pour nos auditeurs et auditrices. Jarabiscuit. Formidable. Oh, trop bien. Formidable. Hicham, un dernier mot. Tipeee. Ah mais oui, le Tipeee. Je pense qu'on a oublié de le faire la semaine dernière en plus. On l'a fait. Non, il y a la semaine deux dernière. Semaines, oui, il y a deux semaines, on l'a oublié. C'est pas grave. C'est parce qu'il y a Titi qui nous dit coller, c'est sa faute. C'est un peu toujours la même chose. Donc, cher public, si vous nous avez aimé et si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez évidemment partager ce podcast autour de vous, en parler à vos proches et aussi à vos ennemis si vous trouvez que c'est vraiment un podcast nul. Et si vous le voulez et que vous pouvez aller sur Tipeee où vous pouvez donner à partir de 1 euro vraiment tout ce que vous voulez. Ça va nous aider à rembourser tout le beau matériel qu'on a acheté en partie grâce à vos prêts, grâce à vos dons, mais en partie aussi en empruntant de l'argent à des personnes merveilleuses et très bienveillantes. Nous défrayer les gens qui viennent. C'est Manu qui a avancé l'argent, c'est pour ça qu'il dit ça. Voilà, c'est ça. Je suis quelqu'un de merveilleux, très bienveillant. Bien, c'était le point Tipeee. C'est super bizarre de la fois présenter et faire le point Tipeee. Merci à tout le monde. Et à la semaine prochaine pour l'épisode 5 de On n'a rien préparé. Au revoir, les amis. Au revoir.